parce que je crois que nous avons clairement notre là, projeter une image, même si nous avons un pile désaccord, que nous devons exprimer clairement. Et ceci, je ne peux pas demander à me finir pour me faire. Moi, je fais depuis le même mois dans le Sénat, et un pile monde, même dans le PHTK qui ne comprend pas, je me dis, mais ce côté moins faiblesse, mais ça ne me pas accepter. Et même donc, du point de vue interne, tout, moi, toujours souhaité que le parti soit capable de structurer, capable de bonne direction, pour qu'on ait une première bataille qui est lancée après question 19 millions de gouttes, qui est-ce qui n'a pas été parti, nous essayer de bataille pour nous garder, si nous sommes capables de militer, nous n'avons jamais besoin. Et récemment encore, il y a au moins 10 sénateurs qui étaient préparés pour voter et premier ministre. Et c'est des sénateurs PHTK qui peut-être évaluer que le président qui sont dans PHTK dans des difficultés en pile. Et nous, on nous compte que le président Patia, qui est le Balthazar, lui fait sortir une note pour dire que ce n'est pas l'homme de la situation et que l'opposition, un petit peu même avec l'opposition, l'homme devant la réalité, ça, ça fait me réfléchir un peu parce que nous ne pas comprendre qui est Patia. D'abord, mais il y a un chef pour pouvoir qui s'est dans le PHTK, qui a un pile désaccord avec nous, qu'on aurait jamais voté, que ce soit au niveau pour Nord-Ouest, que ce soit en même temps, tout, on n'a pas senti une logique de parti, parce que là, on fait politique. Ou bien tout le monde qui a fait campagne pour, et peut-être dans tout le pays, comme PHTK, qui s'est frustré, nous avons dit président, ça, tout, il n'y a pas de problème avec tout le monde. Maintenant, quand il y a une difficulté, moi-même, qui ne suis pas d'accord ensemble avec, et qui, ouvertement, qu'on est critiqué, et qui paye pour ça, tout, qui n'a pas de problème pour payer pour ça. Et pour aujourd'hui, vous faites grandeur d'âme, vous ne doit pas quand même aider lui. Et pour le président Patia, ben, on opinion qui ont toujours encore pas comprendre. Et puis, dans demain, il y a Yannick Mézid, vice-président, qui font l'autre déclaration contraire à président. Et je dis, il y a une vague de révocation, de changement qu'a fait dans ce système-là. On rend nous compte qu'il y a des gens qui étaient base PHTK qui a prêté. Lors de la réalité, ça, c'est frustrant. Parce que si nous te vîmes dans Patia, au moins pendant nous là, il faut que nous ayons une possibilité pour nous structurer. Et ensuite, si un problème pour lui a une guerre ouverte qui entre entre président qui était déjà en opposition intransigeante devant, et au sentier avec base PHTK, c'est un bagala presque par ambassade encore. Il paraît que bon, opposition tête chargée. Donc moi, je crois que lors d'une personnalité en tant que sénateur de la République, plein de camper dans le Sénat, quelle que soit la position pour moi, en tant qu'élu, il t'a supposé refléter l'une Patia. Donc je dis à moi-même que c'est moi-même qui ai une position pour moi. Qui t'a reflété l'IMP HTK. Est-ce que c'est le président Jovenel qui va être non? Est-ce que c'est Mini Balthazar? Est-ce que c'est Yannick? Ou bien nous-mêmes, comme sénateurs, qui s'ennuyait véritablement, qui fait que quel que soit une maillot, par contre, il était utile que vous étiez chita ensemble avec nous, mais vous pouvez prendre une décision. Éclatement ça qui gagne un parti. Éclatement ça qui gagne un parti, c'est pas Jodia, ça fait longtemps qu'il y a parlé de division, problème ça, qui gagne un dans parti. Montez là, et pour qui ça, c'est jeudi, dans un moment côté parti, t'as qu'à plus besoin, ou décider quitter ça, qui sortait fait, au moins pour te recoller les morceaux. Moi, explique déjà, nous, moi-même, sous instigation, j'ai un pile rencontre fait, moi, aller, ouais, chef, parti, président Michel Martelly, non parlé, mais rien pas jamais fait. Il était question que mes conduits, trois souplés. Finalement, cette commission qui était montée, que j'étais là-dedans, avec deux, trois sénateurs, avec députés, on n'a pas jamais dans des solutions qui est choisi pour le président, c'est juste qu'on tente de résoudre. Puis deuxièmement, moi, je ne crois pas que moi-même, c'est un sénateur bon ligne depuis quelques temps. Donc, par exemple, que moi-même, regardez, je ne suis pas d'accord avec les pouvoirs aux gens qui étaient départements, même pas avec pas voter budget, carrément. Je ne suis pas obligé de quitter mes départements pour ça, même pas voter budget, je ne suis pas toujours suivre. Je me garde pour les ministres présidents, non, mais même pas voter. Regardez, en pile bagaille qui vous passez, je sens que pas de l'opposition par principe, espérant que vous êtes capable de résoudre, même si ce n'est pas pour la première fois que moi-même, j'ai des comportements qui dissident par rapport à Jean Crabgé. Parce que je ne dis pas que c'est une question de quitter bateau. Quitter bateau, c'est peut-être, moi-même, pendant que j'étais président, malheureusement, j'étais dans une position, je m'habituais pas, et quelqu'un ne peut pas comprendre que j'étais de traître. Donc ça veut dire que j'ai des positions critiques, je ne m'habituais pas. Et je dis à mon pensée que, il faut ça que me fait là, tout sénateur est capable, il faut diriger au bas explication. Je dis à au contraire, pendant que le gouvernement décrit là, vous êtes supposé une unité dans le PHTK, et vous voyez que c'est une bataille, qu'il y a moi-même, qu'il y a, je m'en parle, par exemple, qui me garde dans votre premier ministre, je me dis PHTK, d'accord que c'est comme ça, président, son stratégie politique, il me fait 22 mois dans la rue, il ne va pas choisir un monde qui est dans un parti politique. Qui sont stagnés, même si je protège PHTK, je ne vais pas même dire que PHTK.
est-ce que le président PHTK, est-ce que le ministre Batan avec PHTK, est-ce que y a PHTK, moi-même dis ça mieux. Donc ça veut dire que logiquement, ça va faire sens que vous même vous avez une personnalité que vous acceptez mon situation comme ça. Donc question qui était dans tout pour la paix déjà, moi-même personnellement, je n'ai pas d'opposition. Ça veut dire que quand pile et qui fait comme dans l'opposition, mes convictions quelque part, les gens que l'opposition a fait là, même pas accepté avec lui, et c'est pas sans raison qu'il faut ouais, que dans le dernier combat, M. Ote annonce et puis a le fait dans la ratification. Hein? Peut-être que tu as liste, c'est le nom dans la liste qui est dans l'opposition. Parce que l'opposition parle, et finalement, depuis qu'on a rendu compte que je ne suis pas venu, moi-même, ça me croit, une grande pile de difficultés pour lui. Parce que je dis, tout discours qui a rapport avec la population, hein? Moi, comme si ce n'est pas intéressé dans l'action, personne ne soit ni opposition. Hein? Donc, je dis à chaque monde qui a travaillé, il a parlé pour le peuple, mais ce n'est pas vrai. Mm-hmm. Donc, je dis à moi que c'est extrêmement important que, pour qu'il y ait des gens qui n'ont pas de politique, qui ont courage pour faire une bataille démocratique. Et je dis à moi, même si c'est 7 jours, même pas d'ici vendredi, il faut qu'au moins, pendant que nous essayons de parler ensemble avec eux, nous venons une solution nous-mêmes. Parce que je dis à le président Jovenel, lui-même, il a une difficulté tête chargée. Et moi-même, j'ai annoncé en pile là. Et maintenant, l'on d'un parti politique, par quelques phrases, ça, c'est pas une phrase, mais dis-je, il y a une difficulté. Mais moi-même, qui a prôné le dialogue là, je prôné avec si, en d'un tête pas, non, nous presque pas comme un exemple pour nous faire dialogue là. Là encore, quelque part, je parle côté de M. très incohérent. Donc, l'on a une situation comme ça avec l'équipe. Donc, c'est important que vous fassiez back pour vous-même, capable de faire une façon pour vous entendre sur des accords. Et qui est capable de permettre que je dis à l'un ou l'autre monde, l'autre côté, que ce soit avec vous ou bien l'autre côté, à prendre le dialogue là, mon sens, c'est que c'est une raison pour la prendre le dialogue. Parce que il y a un problème avec PHTK, base PHTK. Ça dérange le président Jovenel au moment extrêmement difficile. Pour que le président vienne presque pas une base. Maintenant, si base PHTK vient de base, et puis nous n'avons pas de capacité pour nous recoudre les morceaux entre nous, on n'est pas quoi, nous pas capable d'un dialogue qui implique autant de secteurs dissidents qui pas de jambes pour nous, même en même temps. Même quand je dis à ce que j'ai fait, son comportement de principe que lié et que tout le monde qui a un fonctionnement de parti a supposé faire. Oui, sénateur, quand même, on a une nuance dans la position là, on dit. Ou camper, mais on pas dit ou démissionner. Non, pas démissionner. Mm. Camper, mais que de moun, pour deux mouns, pour deux mouns, on a la lose. Pour deux mouns, c'est la lose. On a la lose. Ça, 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 répondre à deux mouns qui pensaient dans notre position là. En position opportuniste. Je supporte pendant longtemps. Parce que, comment lier en Haïti? Ou bien, par exemple, si vous prenez le pouvoir, vous supportez le pouvoir. Tout ça, c'est bon. On ne va pas critiquer pour faire parce que c'est mon point. Avec dit que c'est sale. Et comme il est capable de tout, son contrat au signé. Ou pas qu'il doit faire une critique, même si on est parti à tomber dans le trou. Ou même si on est peuple en danger, peuple qui défend nous, on fait partie avant nous bien pouvoir. Mais bon raison que fait ça. L'homme monde comporte au constat. Bon raison, par exemple, pour qui ça va dire la lose, j'aime pas de côté budget parce qu'il me destine dans l'ouest par là-dedans. Pour qui ça va dire la lose, j'aime pas de protester parce qu'il me destine que tu n'as pas de problème. Pour qui ça va dire la lose, j'aime pas de résolution, je vais signer. Avec un bon ensemble d'actions m'a posé pendant longtemps. Pour qu'ils n'ont pas dit la lose, de m'a critiqué pour autre chose. Pour qu'ils n'ont pas dit la lose, de révoquer mon temps. Donc, avec dit que mon bagage m'a fait, et puis les briefés, et puis aurait la lose. Avec dit que je dis, la lose, avait dit, je n'est pas capable de comprendre. On est non pouvoir, c'est parti politique qui est dans tête li. Même si le président fait erreur, ou bien pour pouvoir faire erreur, pour permettre ou pour venir nous pas d'accord, ou bien pour dire, faites attention, danger pour arriver. Donc, la lose, avait dit, on ne pas supposé une position nationaliste. Vous ne pouvez pas supposer une position pour parler de principe, vous ne pouvez pas supposer une position contraire à partir de même si vous êtes à la voie de faire. Il n'y a pas beaucoup de lits, il n'y a pas beaucoup de pays, il n'y a pas beaucoup de départements. Ça veut dire que son logique, des pour compte ou compte net, ça veut dire que des pour dans l'opposition, tout. Vous ne pouvez pas dire à dire, vous faites back pour payer après le bout. Si on a opposition, c'est craser pour craser. Vous ne pouvez pas dire, il faut que nous chitons ensemble pour payer, ça va faire. Vous ne pouvez pas dire, bon, ça n'a pas bon, non, mais cette fois-ci, vous faites un bon bagage. Ça veut dire que c'est ça. Vous ne pouvez pas dire ça, vous ne rendre compte. Mais c'est ça, il y a pour nous, je dis. C'est ou bien pour net, ou bien pour contre net. Moi, c'est que tout le temps, nous avons ce genre de position, ça, on n'a pas besoin de parlementaire qui réfléchit, qui est nécessaire, pour que nous soyons capables de poser des problèmes de manière structurelle. Et moi, c'est que son grand défaut que nous connaissons ça. Donc, je dis à moi-même quoi que l'île que je suis là, son ligne, je suis capable de dire exemplaire, parce que même si je me fais critiquement bouillon, mais c'est connu de tout le monde. Pendant plus qu'un an et demi, j'ai tout annoncé. Et nous, exactement devant, ça me dit annoncé. Donc, nous avons dit, par exemple, moi, je dis, bon, je suis dans l'opposition même, je n'ai pas qu'à l'autre n'a pas fait, je cherche bénédiction, alors que je ne peux pas faire, je n'ai pas fait,
mais bataille, mais fait tout ça possible, mais poser position tête chargée, et les bonnes positions, mais victime pour ça, mais qu'un des caractères. Donc je dis, bon paquet de monde est calme dans l'opposition. Question même après les villes, parce que c'est des mouvements d'art fini, 4 ans fin passé, et puis on tape soucié. Je n'ai pas jamais de courage. Je n'ai pas même PHT quand même. Mais pendant que je PHT quand même, je suis en séance chaque jour. Je suis démonté, je suis des questions au NA, je suis dénoncé toute qualité de problème. Je suis dans le pouvoir, je défends le département. Je me dis que je ne peux pas voter le budget ça parce que notre dossier projet 1 million de gouttes. Je suis dans le Parlement. Chaque jour, je me dis que je ne peux pas voter pour le ministre parce que c'est PHT qui a lié. Eh bien, là, ça peut-être que je mal. Mais dans le pouvoir, il y a pile qui m'a dit qu'il y a 4 ans. Ça, vous avez mené, vous avez mis ministre, vous avez fait toute autre qualité. Je ne vais pas dire que ça. Mais je dis à. Mais au moment d'avoir fini, il y a besoin de bon encore. Il faut que vous soyez en opposition. Et puis, il y a un bon que pas plein l'autre. Elle dit, moi-même, là, il est toujours critiqué en tant que PHTK, c'est moi qui plein l'autre. Mais il y a un coup de fou et quoi, là, pendant le mandat, on va le finir. Alors que moi-même, je commence à parler depuis 6 mois. Nous sommes sénateurs 6 ans. Et jusqu'à présent, là, moi, j'étais 4 ans, plus que 4 ans et demi. Donc, si moi, j'étais plus que 4 ans et demi, je n'ai pas accepté pour l'opposition ça. Et moi-même, je dis, moi, je dis que maintenant, dame sous table à tout. Si, par exemple, soit on fait un dialogue, là, je dis, par rapport à tout ce qui a passé dans le pays, là. Donc, je dis que c'est vraiment important que nous-mêmes, le regard d'où on ne peut pas arriver là encore combien de sang avec une occupation étrangère sauvage. Donc, à partir de ce moment, moi-même, accepter de mettre madame Zouzou. Donc, c'est ça, oui, nous avons besoin. Ce n'est pas un cap V, un petit moment, comme si elle fait une souci. Ce n'est pas une proposition contraire. Bon, moi-même, BHT, quand même, critiquer Charles, tout le monde connaît. On est là, la souci, qu'on a battu avec votre collègue. Je dis à le point pour dire avec votre collègue, parce que le mandat fini pour tourner dans l'élection. Voilà, sénateur Kedler Augustin qui a annoncé le fait un retrait comme membre parti PHTK, parti qui sous pouvoir. Donc opposition, pas besoin d'attendre de sénateur un nouveau membre comme Lambert et Sorel et Jacinthe. Donc lui-même, il dit que le font retrait. Donc les campés l'absuivent. Oui. Bon, nous allons parler de sénateur Evalier Beauplan qui lui-même déclaré c'est pas international là qui pour dire qui ça pour faire dans stratégie politique qui a mené pour jeune démission président République là par rapport à qu'insistance encore gros plan pour forcer opposition chita avec chef l'État. Evalier Beauplan a dit les comprendre même encore gros plan a fait yo complice dans toute mauvaise action chef l'État pas commettre dans pays là. En côté Evalier Beauplan il était dans micro Wenchel Adrien. Aujourd'hui, on ne peut pas attendre que c'est l'international pour qui dit nous, c'est combien pour nous combien. Mais grand bagage blé rappelé notre avertir. L'armée qui t'en fasse toi, c'était l'armée française. On n'est pas jamais accepté que nous sortions dans l'esclavage là. Mais les capois la montée arrivé fait exploit. Bagage extraordinaire qui a traversé la butte charrière. J'ai eu le courage de retirer chapeau pour au moins bravo pour le gros soldat ça qui te connaît, ça que t'es fait vertir. Aujourd'hui, on croit que c'est nous-mêmes qui responsabilité pour nous frapper plus fort. Plus nous avons des mains étrangers qui en face nous, c'est plus nous devons mobiliser, c'est plus nous devons mettre des stratégies en place. Moi, je pense bien au contraire, ça, c'est sérum pour montrer que je venais pas pour contre. Je venais pas pour contre la corruption. Je venais pas pour contre la marasse économique que mène le pays. Je venais pas pour contre le massacre la Saline, massacre Kavoufeuille, massacre Tokyo. Et je dis à tout le monde qui a mouru, dernière date, Badou qui mourit dans la balle seulement. Donc, c'est que je venais pas pour contre que l'international n'a pas. Donc, le peuple a plus de travail pour le faire. Et travail ça, c'est nous déterminer. Moi, déjà, au travail avec l'équipe là dans la région, on a défini de nouvelles stratégies pour que frappe beaucoup plus fort. D'après ça qui dit, corps groupe, principalement le Brésil et les États-Unis, ils tiennent modicus à ce que nous allions dans le dialogue. Qui ça pourrait le faire par rapport avec persistance et deux membres ça qui fait partie du corps groupe là? En politique, nous pas qu'à jamais dit que nous absolument nous pas parler. Mais nous dit, mais à qui nous devons parler? Parce que déjà, l'opposition, déjà, je veux l'unité de nous. C'est des gens qui vont dire, je suis ensemble pour parler de pays, je suis ensemble. Nous commençons l'oasis, nous faisons tout ce qu'on est au rivé plateau central. Et je dis encore, que vous prenez deux groupes qui partent ni dans l'oasis ni dans le plateau central, sous poser aux questions qui ça y ouvre, il y a besoin de lire les temps pour dériver Jovenel Lacapé. Je dis à l'opposition, lire entendre, lire parler. Nous sommes 4 sénateurs de l'opposition, notre petit groupe député de l'opposition. Nous passons de 4 sénateurs à un 5e qui est le Yuri Latotu. Nous sortons dans Yuri Latotu, nous tombons dans Sowell, nous tombons dans France Terre, nous venons n'importe 12 sénateurs. C'est signe que le dialogue là a déjà existé entre nous.
nous, mais peuple là qui ban nous mandat pour nous parler entre nous, pour nous définir stratégie pour sortir dans sa culière, lui dit que lui pas paré pour parler avec Jovenel après rapport ou des comptes qui dit dans 4,2 milliards de dollars qui dit la PDA, Jovenel Ladel. Peuple là pas ban nous mandat pour nous parler avec Jovenel parce que lui dit que Jovenel tellement têtu, lui mène pays à nous massacrer la saline, lui mène pays à nous massacrer les capoufins, et même l'international reconnaît dans la saline des gros massacres. Donc peuple a dit que lui pas ban personne mandat à négocier sous nous, pendant que réponse pour qu'on baille ni à Petro-Caribé, ni à La Saline, ni à Kafoufeu, ni à Tokyo. C'est un dilemme ça que nous y est. Nous pas pour contre nous. Le nous fait appel yo. C'est pas 12 sénateurs. C'est pas 20 députés qui prennent la rue. C'est population haïtienne. Nous disons population haïtienne. Parler, nous tendez. Et si nous tendez message, nous devons appliquer exactement message que l'Ibaï là, c'est lui pour l'exécuter. Et c'est dans ça nous y est aujourd'hui. C'est définir notre stratégie pour nous faire l'international faire back. Sous ça que le poste rien, parce que c'est pas blanc qui a souffert, c'est nous. Petite, nous pas à l'école, c'est pas petite blanc. L'argent non perdu, c'est pas l'argent blanc. Insécurité, c'est pas blanc qui a victime d'insécurité, c'est nous-mêmes qui a victime d'insécurité. Pas de gaz dans le pays, c'est nous pas qu'à vaquer à l'occupation, nous. C'est nous pas qu'à acheter précarité, c'est nous qui a victime de précarité. Machin nous, yo, pas capable de sortir en province, c'est petit pays qui a victime, c'est pas blanc pour qui dit qu'il a bon fait. C'est nous pour qu'on dit ça pour nous faire, pour éviter blanc venir jouer nous dans ce peuple haïtien défini comme stratégie, au moins par rapport à destinée. En tout cas, nous avons plus que 3 semaines depuis le pays d'Haïti, presque tout le coin du pays à nous en mode lock. Et mais nous constatons que le président de la République, là, Jovenel Moïse, il est toujours président, il est toujours là, il est toujours dans le palais national. Est-ce que quoi, effectivement, nous avons privé et forcé et Jovenel Moïse démissionner? Mazzo, si on regarde le football, là, on parle de frapper dans le poteau quand il frappe dans le transversal. Ce n'est pas des 20 équipes, là, des 20, c'est mal shooté, mal shooté. C'est que Thierry manque cadré. Si je dis un jour de la faire résistance, c'est parce que des tirs pour nous cadrer, nous pouvons cadrer. Et c'est ça, nous, Chita, nous avons fait là, définir de nouvelles stratégies. Tout tir qui est habitué à frapper dans le transversal, qui est habitué à frapper dans le poteau, pour nous assurer, nous, prochaine fois, nous avons shooté, entrer directement dans le goal. Et c'est ça, nous avons fait là, et c'est ça qui fait que nous rentrons déjà dans le pays, après deux ans. Moi, je Chita, ensemble avec l'équipe là, pour nous définir de nouvelles stratégies, pour que semaine là, nous disions que, moment, je viens là, l'arrivée tout le monde. Pendant la demande de démission, président de la République là, nous constater ces nominations qu'a faites, ça va dire rien pour nous? C'est tout à fait normal. Faut président montrer au que il a toujours songé. En 86, Léon t'a dit pour aller, de temps en temps, déparer pour dire que Makata là. Et pourtant, c'est validé, il t'a fait pour aller. Moi, quoi, ça, je viens la faire là. C'est dernière résistance à faire. C'est prouver la montrer, non, quelqu'un oxygène dans l'air toujours pendant que Sophie a coupé. C'est le dernier moment que lié. Petit mouvement, ça, c'est petit mouvement, monde qui va le mourir. Petit mouvement, ça, c'est mouvement, monde qui va le perdre du pouvoir. Nous avons ce peur, en avancer, en mettre tête ensemble pour libérer le pays. Voilà, Évalier Beauplan, sénateur opposition. Nous allons aller Port-de-Paix, Joma Auto Parts. Oui, c'est entreprise. Jovenel Moïse, manifestant, a tenté de mettre du feu là-dedans. Plusieurs monde blessés parmi eux. Et un policier dans l'échange qui était gagné entre Force Lodio et manifestant. Nous allons rejoindre sous place depuis Port-de-Paix, correspondant à nous, Rock Jovens Clavel. Finiay Mac Ernest Fano, 19 ans, qui était assassiné à Akbar, dans l'an, bien bonheur, mardi 17 septembre 2019, ça, en présence de famille, amis qui battent quelqu'un de l'eau dans le jeu. Il faut que nous disions, Finiay Mac qui a transformé en manifestation, arrivé dans Ricapoua, côté plusieurs militants, dans le déposé, c'est qu'elle a devant l'entreprise Joma, une entreprise qui s'est propriétaire privé, chef de l'État haïtien, Jovenel Moïse. La police qui était présente sous place, était bien un pile gaz lacrymogène, manifestant qui était obligé de quitter le cadavre et ils ont dit qu'ils ont quitté pour le président Jovenel Moïse. Il faut que nous disions qu'il y a plusieurs monde qui ne laissaient pas balle, que les policiers tout qui prennent balle et ils ont arrivé à aller avec eux dans la fête des Palmis. L'activité a toujours été paralysée dans la cité Capalamor, côté l'école n'a pas fonctionné, banque commerciale n'a pas fonctionné, porte bureau. Et l'État a toujours été fermé, ces situations, Villefort de Paix, pour mardi 17 septembre 2019.
Voilà, mais c'est un pile rock. Juvens Clavel n'a pas retourné avec information ça qui a rapport avec l'économie, puisque selon l'économiste Eddy Laboussière, Haïti risque qu'on ait eu une émeute de la faim qui a plus grave passé si la pays était qu'on est dans l'année 2008 d'ici fin année 2019, là, d'après Eddy Laboussière. Oui, d'après l'économiste Sangerie, à qui ont taux inflation dans niveau ça, ils ont goût de capable perdu valeur avec augmentation prix produit, monde manger, toutes conditions déjà réunies pour une crise humanitaire généralisée dans le pays. Hein. Situation ça, c'est résultat non seulement contexte crise sociopolitique là, mais tout l'État qui part en mesure pour résoudre problème mieux d'après professeur universitaire. Hein. D'après Eddy Laboussière, pas gagné aucune solution miracle qui possible. Crise grand gourant sur route pour arriver dans le pays. Eddy Laboussière, Tenamico, Johnny Ferdinand. En 2008, la dégâts humaine de l'affaire, l'inflation était à peine 12,5%. Je veux dire, la situation a aggravé en 2019. Et en 10 mars, l'inflation est à 20% à peu près. Bon, d'un côté. De l'autre côté, sous la dégâts, la date déprécié. En 2008, mais vous de la pâte, je dis à Jean, elle est là, 95 gouttes pour dollar. Il est en 60 à peu près pour dollar. Donc, situation nettement dégradée. En plus de ça, tu l'as souligné, nous avons une situation politique vraiment terrible, côté que le pays a bloqué. Nous avons plusieurs jours, côté le pays à l'or. Et chaque fois, le pays à l'or, cher au point de vue économique, c'est vraiment la catastrophe. Les agents économiques, pas gain revenu puis le dépenser, d'un côté. Et de l'autre côté, l'État, pour au point de vue macroéconomique, vous faites l'État au défi, parce que chaque fois que le pays a l'or, déjà la douane va fonctionner. Donc l'État va rentrer au secteur. Et de l'autre côté, les entreprises ne fonctionnent pas. Et puis, bon élément qui est important, dans la recette de l'État, c'est ce qu'on appelle la TVA, la taxe sur le chiffre d'affaires. Mais si l'on est en passé, l'entreprise va vendre, mais l'État paie des taxes sur le chiffre d'affaires. Ça. Ouais, donc c'est tout bon dans le pays. Et d'appuyer encore, le tournoi haïtien, son économie qui est fondamentalement informelle. Et c'est là qu'on y a moins perspective pour le mettre de l'affaire. On n'a pas souci, puis elle vend. Dans l'économie informelle, ça veut dire que c'est sans faire le ou seul pour manger. C'est pas des gens qui ont une capacité pour épargner vraiment. Donc, on imagine nos pays alors. Nous avons des gens qui sont en situation de grand gouda pendant qu'on a parlé là, parce qu'ils ne sont pas sortis pour l'alvol, pour son petit corps, pour lui acheter des biens et services très chers dans l'économie. Hein. Donc, moi, très clairement, situation 2019, ça, il est dépassé en termes de gravité. Et situation que là, en 2008, qui va être mettre à la fin. Donc, moi, dis en quelque sorte, si ça se poursuit très bientôt, même avant la fin de 2019, m'a saisi qu'ils vont émettre de la fin parce que toutes les conditions sont remplies. L'économie en faillite, les agents économiques pas qu'à fonctionner, l'économie pays a bloqué, mais certainement, la continue toujours vers le mettre de la fin. Donc, ça me dit, ouais. Ça me dit très possiblement, fin 2019 au plus tard, on a pour émettre de la fin dans tout ça. Bien que les populations ont capacité de résister à l'ordinaire de personnes, mais de pas comprendre. Bah, formellement, vous posez cette question, l'on n'a pas mettre sous fil. Donc, pas qu'à comprendre comment la population, ça, chérie, tout ça, elle n'a jamais révolté pour la vie dans la situation de nous d'être là, de côté. Et de l'autre côté, nous déposer cette question. Comment se fait-il les autorités de ce pays qui m'ont fait comme ça dans une situation de pauvreté? Et puis, dans le même temps, qui m'ont fait la pauvreté? Ou pas, on va dépenser près de 8 milliards de gouttes par année pour le Parlement et 6 à 7 milliards de gouttes pour la primature de la présidence. Pendant ce temps que le monde va vivre une situation de misère infrahumaine, extraordinaire. Bon, donc, pour moi, nous sommes à la porte déjà le dédominé. C'est parce que les pays, c'est même de son peuple. Ils vont résister extraordinaire à la misère, mais toi qu'à mon un secteur informel aujourd'hui avait une situation de misère terrible, terrible parce que pas calmer tiers, terrible parce que l'inflation a été faite, parce que pas plus l'inflation a un impact sur les pauvres, taxe à augmenter. Même les gens qui revenus, l'inflation a changé, le pouvoir a presque été un peu de chagrin. Et l'État n'a pas pensé l'argent, certainement l'État a des difficultés pour le payer, même les agents de la fonction publique ont fait effort pour le payer. Il y a une difficulté vraiment pour payer et le mois d'octobre, ça là. Et le mois de septembre, il se passe là. Donc, moi, c'est la situation catastrophique du pays et ça va nous conduire tout droit vers le milieu de la fin. Est-ce qu'on pense, en dépit du fait que nous, pratiquement, dans le dernier trimestre, année à là, il y a possibilité pour nous être capable d'envisager une solution miracle contre l'autorité? C'est difficile pour la solution miracle. Regardez l'histoire de ce pays, il n'y a jamais eu de solution miracle. La solution miracle et ne viendra pas parce que nous-mêmes haïtiens, nous pouvons fonctionner dans la logique de jeu à son nul. Pas du tout, l'autre a perdu, vous ne gagnez. Allez, bien, par exemple, c'est autour d'une table. Nous pouvons résoudre différents noms pour nous faire des avancées. Donc, c'est comme ça, haïtiens, et fonctionner.
Voilà, économiste Eddy Labossière, exercice fiscal 2019-2020 a commencé le 1er octobre, là, pour la deuxième fois, qui ont budget 17-18 reconduit, ça qui prend à aggraver la situation économique et paysan d'après Emmanuel Adouillon. Économiste là, fait qu'on a une prévision budget 2017-2018 là, a pas difficile pour respecter à cause des indicateurs macroéconomiques qui, pourquoi il est là en rouge, ressources locales qui diminuent, incapacité de l'État pour fournir services à la population, performance économique qui détériorée, c'est quelque part mes conséquences qui capable de venir à cause de la loi finance reconduite d'après Emmanuel Adouillon. Économiste là croit autorité au doit attaquer problème politique pour éviter pays qu'on est en situation économique pire compliquée dans l'histoire. L'été dans micro Johnny Ferdinand. Normalement, le budget vous continue pour une année. Il y a déjà des anomalies et des conséquences. Donc, vous pouvez imaginer le cumulé sur deux ans. Nous avons déjà 2017-2018 qui peut aller pour 2019-2020. C'est comme si toutes les conséquences venaient d'acerber, venaient plus grand toujours. Déjà, qui est capable de l'autre situation économique qui est déjà rouge et qui est dans un point que le gravelin, c'est des grandes fournières pratiquement. Ça fait longtemps que le pays n'a pas connu une situation économique qui est aussi difficile. Le recours du budget, ou par le recours du budget d'investissement en place, nous, on connaît déjà la quantité de corps pour gagner la premier. On n'a pas accès avec tout ce qui prévoit dans le budget 2017-2018. Donc, ressources d'avoir gagné un milieu vraiment, ce n'est pas ressources que les planifiés qui ont fait face à cause des besoins que le pays a gagné pour l'exercice fiscal 2019-2020 qui commençait là. Après, nous avons taux d'inflation qui est en crise manuelle à 19%, prix augmenté. Et nous avons un taux de change qui a affecté prix tout produit en Haïti parce que malheureusement, nous dépendons essentiellement de l'importation en Haïti parce que nous n'avons pas produit grand-chose. Même pour l'État pays, nous avons fonctionné. Nous n'avons pas qu'un bagage que la passe à l'étranger alors que nous avons dit que l'État pour l'utiliser des produits qu'il a calé, encourager l'entreprise qu'il a mais non pas gagné pour l'encourager. Donc, à quoi est passé 19%, ça a quitté le montant qui était prévu dans le budget 2017-2018. Il n'y a pas même encore, s'il faut changer, il y a l'État qui a un problème là, il n'y a pas forcément pour combler pour tout ça. Ça va demander qu'il va le dire, oui, façon que la dépense, mais dans le contexte, quand on attend, on a ce que l'État justement va dépenser, on relance l'économie. Et bien, c'est un moment que il n'y a pas des outils légaux, des outils administratifs, des outils économiques, il y a un budget justement pour faire ça. Et donc, problème toujours qui là, qui est toute conséquence du tout sur l'économie paysanne, qui est pour la instabilité politique. Instabilité politique, là, pas seulement instabilité politique, nous avons un problème de sécurité dans la civilisation, nous avons une tension dans la société, hein, qui vraiment atteint toute couche, par une que l'activité économique qui a de longtemps qui n'a pas fonctionné, les gens ont été fonctionnés. Je ne veux vraiment pas penser à une nouvelle entreprise qui installe une PIN là pour 2019, là, parce que depuis 6, 7, 8 juillet 2018, par exemple, une période de 4 mois qui fait côté que la situation stable, qui vous encourage aux investisseurs à venir investir. Vous venez là que quand c'est investissement pour un pays à pas là, ça veut dire que c'est travail qui vous a créé, tout ça est négatif. Nous ne gagnons pas. Et puis, qui a une statistique à faire, qui ne gagnent pas de nouvelles entreprises, pas de nouveaux investissements, pas de nouveaux travail. Donc, quand c'est des ressources que l'État vient pas gagner en amène, parce que revenu, l'État a baissé, parce que pas de même patrimoine qui a payé taxes, pas de même quantité d'activité économique, avec moins de copies pour aller rentrer, prévision que notre budget en sous combien de copies l'État pour aller rentrer, il pas qu'un pays. Donc, l'État, là, son l'État qui, si l'a dépensé, j'en peux prévoir dans le budget, pour aller dépenser au-dessus de moyens, alors que au déjà des prix augmentés, comme si vraiment son scénario qui est vraiment pas belle, qui attend nous là pour exercer ça. L'État, voilà, ça a permis un peu de difficulté pour les services, l'été qu'on a eu. Qu'on y a un petit tout au monde qui n'en commune, qui ont recevé un financement, mais bon. Parce que l'État qu'on retourne par la communauté, par la mairie, par exemple, qui a gagné, ou qu'on arrive à un côté que, à cause de ressources, manque de ressources, même Fabra, on va pas mettre dans la zone pour la caille. Ou à fond, c'est l'État qui a mis même valeur comme limité pour subventionner l'IDS, parce que l'IDS par exemple, comme l'IDS sont grosses machines, côté l'État perd de l'argent. L'État qui a envie de ne pas travailler comme ça encore, parce que le pape gagne. Employer l'État, déjà qu'il y a des difficultés pour toucher, qu'il y a ces capillaires,